Un petit peu avec moi d'abord. Oui, <laughs> Voilà, vraiment, c'est un, un grand plaisir euh, de vous recevoir euh, ce soir, Faouzia. On a, on a préparé ça euh, un petit peu de longue date. Quand on a vu ce, ce livre apparaître, après l'avoir lu, euh, on s'est dit qu'il était euh, important de vous recevoir. On voulait aussi attendre un petit peu le moment où vous seriez en France, parce que vous vivez à, à, à Tunis. Et voilà, eh ben, ce moment est, est venu. Nous en sommes heureux. Nous vous remercions aussi, parce que vous nous aviez envoyé un très, très joli lit texte après les, les attentats qui ont eu lieu en, en novembre. Euh, on vous sentait touché comme nous l'étions oui. tous et vous avez voulu euh, participer à, à, cette peine, à cette peine générale et, et nous vous en remercions. Alors, Faouzia Farida Charfi, on va essayer d'abord de, de faire un, un petit point sur votre itinéraire et vous connaître. Vous êtes originaire de, de Sfax. oui. Voilà, vous avez euh, fait euh, vos études au départ. Alors vous étiez très attirée par les mathématiques. Oui, tout à fait, plus que, que par, par la physique. Bonsoir à tous oui. et je voudrais aussi dire le plaisir que j'ai d'être parmi vous, surtout en ce moment de partager avec vous tout ce qui se passe. Donc oui, voilà, je suis originaire de Sfax. Sfax, la ville des oliviers. <laughs> L'huile d'olive, après, mais cette campagne un peu, un peu dure. Et donc, dans cette ville, où j'ai fait toutes mes études jusqu'au baccalauréat, en grande partie au moment de la colonisation, puisque uh -huh. j'ai eu mon bac, ma première partie en 58, ma deuxième partie en 59, et je voulais faire des mathématiques. Et donc, j'ai fait classique C. Bon, évidemment, quand on était scientifique à l'époque, c'était un peu la filière, on va dire, normale normale, oui. Et puis après, j'ai voulu faire euh, mathématiques, euh, donc le bac maths, Mais euh, j'aurais été la seule fille au lycée de garçons de Sfax où il y avait 3000 élèves. Alors euh, voilà, j'ai hésité et mon prof de, de mathématiques et, de, et mon prof de physique allait créer la section sciences sexe au lycée où j'étais, qui, qui était devenu un lycée mixte. Et donc voilà, j'ai fait science ex et puis après j'ai fait de la physique. Mais je ne regrette pas. Et puis vous êtes venu à Paris <laughs> et, et vous je vous suis avez fait une à Paris. licence à la Sorbonne. Oui, donc de ce fait, je suis arrivée de ma... de à, 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 à Paris euh, et où on avait encore des cours donc euh, dans ce bâtiment magnifique de, de la Sorbonne euh, et j'ai eu des professeurs extraordinaires dont euh, Kassler qui était un, un monsieur. Euh, je dis un monsieur. Vous savez que Kassler euh, à l'amphi, on, on était je sais, des quelques centaines, et il nous a reçus chacun à la fin des cours. Il appelait un des étudiants et disait, voilà, et donc moi, il m'a reçu euh, en me demandant si je me sentais bien à Paris, euh, parce qu'il il savait que j'étais tunisienne, il avait vu ma, ma fiche. Et ça, ce sont des choses qu'on n'oublie pas. Parce qu'on n'oublie pas que finalement, être un bon enseignant, c'est savoir enseigner la physique, mais aussi c'est ce côté humain extraordinaire. Alors vous avez quand même une grande histoire avec la France, parce que c'est quand même en France que vous avez rencontré votre mari. Louisien oui. Oui, c'est Sfaxien de plus. Sien en plus. Oui. Alors, Elle avait dit oui. qu'elle qu épouserait jamais un Sfaxien. Voilà. Pas, Elle rencontre voilà, J'ai rencontré donc mon mari euh, en France, à Paris, euh, dans les cafés où on refaisait la politique tunisienne et où déjà, donc c'était en, en 62. Et où déjà on s'opposait au régime tunisien, donc à Bourguiba, dont le modernisme évidemment était le nôtre et nous séduisait, mais le pouvoir personnel évidemment nous empêchait de nous exprimer et c'était dommage. Alors il faut dire quand même, on, on, on peut dire un mot de, de votre mari qui est décédé en 2008, qui a été quand même un personnage très très important en Tunisie. Il a été ministre de l'éducation sous, sous Ben Ali oui. au, au, au début. De, de... au début de la période Ben Ali, donc entre 89 et 94, donc il a été ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et il a engagé une très grande réforme au niveau de l'éducation, euh, en particulier tous les programmes ont été revus, mais aussi les manuels, et je voudrais surtout parler des manuels d'instruction de, religieuse, d'instruction civique, mais aussi de langue. D'histoire parce que vous savez la manière dont on enseigne la langue, euh, eh bien c'est aussi très important les exemples que l'on choisit, etc., etc., Bon et puis en 94 il a démissionné parce que le régime euh, commençait, enfin ça, ça a commencé déjà en 92, mais euh, c'est devenait insupportable pour mon mari d'être euh, même s'il avait liberté de tout faire, mais tout de même euh, il a commencé à y avoir des arrestations et alors, on, on, juste un mot sur cette période. Nous sommes allés avec euh, mon directeur de l'espace des sciences, Michel Cabaret, plusieurs fois euh, à, à Tunis, parce que là-bas existe une cité des sciences. Euh, un lieu absolument incroyable ouais. qui est étalé sur je ne sais pas combien d'hectares, ouais. euh, avec lesquels nous avons eu des, des échanges à un moment en espérant pouvoir euh, créer euh, des choses là-bas, peut-être un festival des sciences ou des choses. Et nous étions absolument euh, ébahis de voir euh, des salles de... de des salles de conférences un peu comme celle-ci, euh, extrêmement bien équipées en matériel informatique, en choses comme ça. Et je crois qu'avec votre mari, vous étiez au, au oui. départ de cette aventure. J'étais au départ de cette aventure, j'étais dans le comité de création de la Cité des Sciences, donc on a commencé en 90, et j'étais responsable du pavillon La Terre dans l'Univers et le Planétarium. Mais malheureusement, vous savez, les, les dictateurs n'aiment pas trop la, la concurrence. Alors, bon, je suis restée quand même au comité scientifique de 90 à 2000. Et puis, euh, en 2000, on, on essayait d'éloigner les opposants comme moi, enfin, opposants, les libres d'esprit comme moi. Et je voudrais quand même aussi rappeler quelque chose que j'ai vécu, mais parce qu'on m'en a dit, puisque je n'ai pas assisté. À l'inauguration de la Cité des Sciences, donc en 97, le 20 mars 97, et on a projeté dans ce magnifique planétarium cette boule bleue, la première image, vous ne devinerez pas, c'était la photo de Ben Ali. <rire> voilà. <rire> bon. On ne va rien ajouter à ça, tout est dit. Euh, juste un tout petit retour en arrière, quand même, parce que je suis allée un petit peu vite euh, dans la période, sous la période de, de Bourguiba. Euh, votre mari et vous-même avez été très engagés po politiquement, puisque vous avez même euh, connu les, 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 la prison, etc. Vous faisiez partie à l'époque d'un groupe d'opposition euh, appelé Perspective. Oui, ça. mon mari était euh, un des, des fondateurs du groupe d'opposition Perspective, qui justement voulait se placer en dehors des autres groupes, des autres partis d'opposition, euh, communistes, trotskistes. Euh, donc Perspective, c'était beaucoup plus un, un parti progressiste. Et en 68, euh, donc euh, il y a eu de grandes arrestations, Bourguiba ne supportant pas la contestation. Donc mon mari a été arrêté. Moi-même, j'ai été interrogée euh, durement. Empêché de travailler, moi, pendant un an et condamné euh, par la Cour de sûreté de l'État et mon mari aussi, donc euh, avec euh, des conditions de détention malheureusement très difficiles. Bon, c'est dommage. Mais c'est dommage, je dis, dis c'est dommage parce que Bourguiba était un grand homme. Je, je veux terminer quand même par ça, parce que la modernité de la Tunisie, vous voyez. On euh, lui doit eh beaucoup, bien, quand même. On lui doit. Fait, oui. euh, quand même un code de la famille extraordinaire. Alors vous êtes donc universitaire, professeur de physique, vous enseignez pendant tout un temps à l'Université de Tunis jusqu'en jusqu 2002. Euh, après la révolution de 2011, du 14 janvier 2011, vous allez même être euh, euh, secrétaire d'État auprès du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Oui. Pendant tout un petit laps de temps Un petit laps de temps je, qui a été extraordinaire, où j'ai beaucoup travaillé, mais euh, j'ai démissionné parce que bon, je ne voulais pas travailler avec euh, celui qui avait été nommé euh, Premier ministre euh, dans un, un troisième gouvernement. Et euh, je me suis impliquée en, en politique avec euh, bon, des, des progressistes on a créé le, le pôle démocratique progressiste. On a eu quand même cinq députés à l'Assemblée nationale constituante. Alors, c'est pas beaucoup, mais euh, voilà, on a eu cinq députés juste avec euh, nos idées et notre bénévolat et notre combativité. Voilà, alors maintenant, euh, ben vous êtes à la, la retraite depuis euh, 2002, je crois. 2002, oui. Mais vous êtes toujours très active, euh, en plus d'être mère de trois filles, grand-mère de deux petites-filles. Est un petit-fils. Qu'est-ce qui doit être aimé Celui-là, je pense. <laughs> Encore plus câliné que les autres. Et, euh, et vous êtes toujours engagé dans cette volonté de, de montrer... Un peu comme l'un des, euh, des, des personnages que, dont vous parlez dans, dans ce livre, qui a reçu le prix Nobel, dont Abde je ne prononcerai, dont je prononcerai pas le nom Selem. parce que je vais l'abîmer, ouais. euh, qui disait qu'on pouvait avoir la foi, en, 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 voilà, et qu'on pouvait aussi être scientifique, et que simplement il fallait faire attention de ne pas peut-être mélanger les oui. deux, c'est ça Voilà de Selem était un, un grand grand physicien. Il, était, euh, donc, il a eu le, le prix Nobel de physique en 1979 euh, pour sa contribution euh, en physique des physique fondamentale en fait. Euh, donc euh, Abdel explique que ça n'était pas sa foi qui qu lui avait permis de trouver ce Enfin, enfin, de mettre, d'avancer dans ses recherches, puisque avec lui, donc il y avait deux autres physiciens, dont l'un était agnostique et il disait ça ne pouvait pas être ma foi puisque nous avions, nous étions arrivés au même résultat scientifique alors que nous ne partagions pas, euh, voilà, les mêmes convictions euh, personnelles. Et il l'affirmait, mais. Et il, il tenait à le dire, et je trouvais extraordinaire que Abdel arrivait à montrer à quel point il était croyant et il essayait de convaincre à quel point la science pouvait se passer de la religion. Alors, euh, on, va, on va découvrir voilà. votre conférence, euh, Jean-Même. Je franchement, je vous recommande de, 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 livre ce, de lire ce livre, La science voilée, Science et Islam, paru chez euh, Odile Jacob, où on apprend beaucoup de choses sur cette euh, fabuleuse histoire euh, euh, scientifique du monde musulman à, à une certaine époque, oui. de toute cette avancée, de, du moment où ça s'est... Un petit peu euh, arrêté, et puis de cette période que l'on vit maintenant et dont vous allez euh, nous parler. Merci d'être venu ici ce soir. Nous sommes vraiment très heureux de vous Merci recevoir. Merci à vous. Merci à vous. Très bonne soirée à tous. Alors, je vais donc. Euh vous parlez de science et islam, science et islam, et tout mon propos va être de montrer qu'en fait, j'ai commencé à le dire en parlant d'Abdou Salam, que la science fait partie du monde de la connaissance, avec sa méthodologie, etc. Maintenant, euh, la sphère du religieux, c'est-à-dire euh, de, de l'islam, puisque je vais essentiellement parler de, de l'islam ce soir, pour, en ce qui me concerne, je pense qu'il ne doit pas y avoir d'interférence entre les deux sphères. Mais je voudrais continuer sur euh, Abdeselem, parce que le fait de dire qu'il n'y a pas d'interférence entre les deux sphères n'exclut pas... Le spirituel et l'exemple d'Abdeselem, pour moi est très significatif parce que justement Abdeselem expliquait comment à partir d'un certain moment en tant qu'être qu humain justement il suivait son chemin personnel dès que il arrivait il sortait en quelque sorte du laboratoire et les exemples de scientifiques croyants sont nombreux mais ce qui se passe malheureusement aujourd'hui, c'est que nous assistons en fait à une manifestation du religieux qui n'est pas du même ordre que euh, ce que j'appellerais le spirituel, la foi, euh, la conviction intime. Chacun peut avoir sa conviction intime, mais évidemment... Il y a une règle qui pour moi est essentielle, c'est le respect de l'autre. Et si j'enseigne la physique, je n'ai pas à savoir qui est dans mon amphi, évidemment. Donc aujourd'hui, si je veux parler de, de science et islam, c'est parce que la montée de l'islamisme, c'est-à-dire quand je parle d'islamisme, ce n'est pas de l'islam, mais c'est de l'islam politique, ce qui est très différent. La montée de l'islamisme à la fin des années 70 en Tunisie m'a euh, mis en présence d'étudiants qui refusaient en fait mon discours scientifique qui refusaient le fait que euh, voilà la vitesse de la lumière est finie et pour eux la vitesse de la lumière ne pouvait être qu'infinie et Einstein s'était nécessairement trompé et donc à partir de ce moment-là je me suis intéressée à, à la question et j'ai étudié un nouveau discours sur la science que l'on trouve aujourd'hui, en particulier sur Internet, puisque c'est quand même le moyen de, de savoir comment euh, ce que les gens pensent et ce que les gens propagent. Et donc ce que l'on peut voir maintenant au niveau de, de la science dans les sites musulmans, mais alors, dans les sites musulmans, je vais après préciser la, la question, euh, c'est une certaine, euh, différents points de vue. Alors, vous avez ce que j'appelle, moi, des sites musulmans euh, qui peuvent parler de questions scientifiques, qui peuvent aborder euh, de certaines questions, comme euh, le calendrier lunaire, etc., et qui l'abordent de manière tout à fait, euh, tout à fait objective. Et puis, il y a des sites qui sont orientés, c'est-à-dire qui sont beaucoup plus de l'ordre de la propagande que de l'ordre de la croyance. Et c'est de ces sites-là dont je vais parler pour que les choses soient un peu claires. Et sur ces sites, ce que l'on peut trouver, c'est une manière de présenter la science, et j'expliquerai tout à l'heure, qui est le concordisme. Alors ce que l'on peut trouver aussi aujourd'hui, malheureusement, c'est une attaque de, de la théorie de l'évolution. C'est un phénomène tout à fait nouveau et qui n'était pas du tout dans les traditions du monde musulman. Donc j'expliquerai en quoi euh, cette remise en question de la théorie de l'évolution est assez étonnante dans nos pays. Enfin, si je suis là aussi, c'est pour vous parler de l'islam de mon père l'islam de mes grands-pères, mes grands-pères qui tenaient à ce que j'aille à l'école, qui considéraient que les filles et les garçons, et, évidemment, étaient égaux. Et donc, c'est quoi la modernité en pays d'islam Et quelle réponse donner à ceux qui veulent détourner la science Alors, je disais tout à l'heure, un nouveau discours sur la science, c'est le concordisme musulman. Alors, ça a commencé, en fait... Dans la première moitié du XXe siècle, que signifie le concordisme musulman C'est de considérer que euh, toute la science, y compris la science moderne, existe dans le texte coranique et toutes les découvertes étaient déjà présentes dans le texte coranique. Et le premier à avoir considéré que les 700 versets coraniques qui ont un caractère scientifique. Quand je dis bien un caractère scientifique, c'est autre chose que, que la science. Sur les 6600 versets coraniques, eh bien, ces 700 versets coraniques peuvent être compris comme étant euh, de véritables euh, leçons, on va dire, de, de science. Et donc, euh, je voudrais citer un certain Tantawi Jaouhari qui avait écrit vers les années euh, 1930 une interprétation euh, du Coran, où il parlait euh, de la propulsion électrique, euh, des tables tournantes. Alors ça n'allait pas très très loin, mais, mais ce Jaouhari a inauguré en quelque sorte une certaine vision du texte coranique, c'est-à-dire, plutôt que de dire, voilà, il y a des versets qui appellent à à s'interroger sur l'univers, sur le monde, il considérait que les versets constituaient réellement des explications de physique. Et puis en 1976, paraît un livre qui est toujours très très demandé, c'est le livre du docteur Bucaille, je ne sais pas peut-être que certains parmi vous l'ont l'ont lu la Bible, le Coran et la science qui a été donc publié à Paris. Et euh, Bukay explique dans cet ouvrage que toute la science existe dans le Coran, y compris euh, l'aventure spatiale, euh, y compris euh, l'expansion, l'évolution de l'univers, y compris tous les développements euh, de la biologie. Alors, bon, on peut dire, mais pourquoi pas Non. Je pense qu'on ne peut pas s'arrêter à pourquoi pas, parce qu'il faut, il faut lire ces ouvrages pour voir que si nos jeunes se lancent dans ce genre de, de lecture, euh, ils vont s'éloigner nécessairement de, de la science. Mais c'est pas seulement un détournement de la science, c'est aussi un détournement de la religion. Et là, je vais vous donner quelques exemples. Alors, il y a un site concordiste très prolifique qui est le site harunyahya.com. C'est le site d'un prédicateur euh, turc, Anen Oktar, dont la cible sont ce qu'il appelle les matérialistes. Et euh, vous avez ici donc, euh, une euh, impression sur écran d'un euh, de, de ces sites, Le Coran ouvre la voie à la science. Et lorsqu'on consulte euh, si vous cliquez sur euh, internet science et islam, euh, inévitablement évidemment ce site va apparaître. Et on peut voir donc quelle est sa présentation, c'est une sorte de développement scientifique que je mets entre guillemets avec euh, des photos euh, de l'univers prises par le satellite Hubble et puis euh, de temps en temps, on peut lire un verset du Coran qui n'a rien à voir avec, euh, je ne sais pas, on vous montrera par exemple le rayonnement fossile, une photo du satellite Kobe. Euh, quelle relation entre le, le, cette photo du satellite Kobe et euh, le verset coranique en question Bon, aucune, mais en fait, c'est un site de propagande. Et quand je dis que un prédicateur aujourd'hui, alors il faut vraiment distinguer le mot prédicateur de ça n'est pas un théologien, c'est quelqu'un qui est en train de promouvoir une vision, bon, la plupart du temps une vision politique, bien sûr. et euh, ce, nous allons retrouver donc ce site à launéria à propos de, de la théorie de l'évolution parce qu'il traite, il traite de tout. mais je vais passer à une autre présentation qui est sereine que le site Haroun Yahya, et qui traite de quoi Qui traite du Bing Bang. Alors, il y a maintenant, dans un bon nombre de sites, on va dire islamistes, euh, toute une théorie qui consiste à dire que la théorie du Bing Bang existait déjà dans le texte coranique il y a 14 siècles. Et le verset qui est invoqué la plupart du temps, il y a plusieurs versets, mais je vais citer le, le, celui qui est le plus souvent cité, c'est le verset 21-30. Les mécréants ne voient-ils pas que les cieux et la terre formaient à l'origine une masse compacte Nous les avons ensuite scindés. Et donc, voilà, ces deux phrases du verset 21-30 sont interprétées comme étant l'explication, bien sûr a posteriori, que... En fait, la théorie du Big Bang existait déjà dans le texte coranique. Et euh, sont mis en scène un certain nombre de, de propos, dont celui que vous allez voir ici. Donc, c'est un site euh, qui est le site euh, islamfrance.free.fr. Et, et alors, donc, dans ce site, vous voyez que. Je l'ai reproduis tel que. On met en scène deux personnages, le prédicateur Ahmed Didat et l'homme de science. Et le prédicateur Ahmed Didat est un prédicateur d'origine indienne qui a fait le tour du monde pour mettre en avant sa, sa vision, en fait, de la religion, de la religion musulmane. C'est sa vision. Et pour montrer que, en fait, euh, voilà, la science existe, euh, entre autres, c'est un de ses de euh, thèmes de prédilection, la science existe dans le texte coranique et l'Occident n'a rien inventé. Donc, la science moderne, de toute façon, n'a pas été inventée par l'Occident, mais elle existait déjà dans les textes. Et ce que vous voyez ici, c'est un, un échange entre le prédicateur et l'homme de science. Et alors le prédicateur demande à l'homme de science depuis quand on a découvert voilà cette théorie euh, du Big Bang. Enfin, il n'est pas dit le, le Big Bang ici, mais la théorie euh, voilà, le point de départ, on va dire, de, de l'évolution. Alors, je voudrais ici euh, aussi montrer que donc on parle notre univers, donc est un univers en, en expansion. Alors ça, c'est l'homme de science qui parle répondant au prédicateur qui lui dit, vous, homme de science, qui avez étudié l'astronomie et qui étudiez notre univers à travers vos puissants télescopes, comme si vous scrutiez un objet dans la pomme de votre main, dites-moi comment l'univers a-t-il pu exister. Et l'homme de science donc répond que, voilà, alors, en plus avec beaucoup de... de de choses fausses. Il y a des milliards d'années, notre univers n'était qu'une matière. Bon, de toute façon, ça n'était pas qu'une matière. Et puis, c'était il y a des milliards d'années, donc 13,7 milliards d'années. Et euh, bon, ici, tous les développements sont absolument pas rigoureux et corrects du point de vue scientifique, mais voilà, il, il, il explique que l'univers est en expansion. Et alors, le prédicateur, et c'est ça qui m'intéresse, lui dit, mais... Quand avez-vous découvert cette histoire légendaire L'homme de science répond, mais ce ne sont pas des légendes, ce sont des faits scientifiques. Le prédicateur, d'accord, j'accepte les faits pour ce qu'il en est, mais dis-moi, quand en as-tu pris connaissance Et l'homme de science répond, depuis hier seulement. Alors c'est là, ça c'est vraiment le cœur de tout le concordisme, et le, le, le prédicateur répond, 50 années ne sont qu'hier dans l'histoire de l'humanité. Un arabe illettré vivant dans le désert 1400 ans plus tôt ne pourrait jamais avoir votre connaissance de la violente déflagration et de l'univers en expansion. Le peut-il L'homme des sciences répond non jamais. Alors écoute ce que cet homme disait sous l'inspiration de Dieu. Alors je ne vais pas lire le, les deux versets puisque je vous ai cité tout à l'heure le, le verset 21-30 et vous voyez que c'est une manière en fait... De d'abord euh, de présenter la science qui est qui est incorrecte bien sûr, mais tous ces sites voyez montrent que en fait euh, l'univers en expansion euh, était clairement euh, indiqué dans les, les versets coraniques et font finalement du texte coranique un livre scientifique, ce que les, les véritables croyants refusent. Le texte coranique est un texte sacré et, et tout sauf un livre de physique. Et il n'y a pas seulement que ce genre de, de site qui, qui propage le, le concordisme, cette manière de voir les choses, mais il y a aussi des institutions. Et euh, je développe dans mon ouvrage donc, le, la commission, ce que dit la commission des miracles scientifiques du Coran et de la Sona. Et donc, vous voyez que là, le mot, les miracles scientifiques du Coran, en fait, c'est une manière de, de présenter le Coran. Alors, le Coran pour les croyants, c'est un miracle. Mais là, il ne s'agit pas du Coran comme texte euh, inimitable et comme texte sacré. Là, il n'est pas question de cela, mais il est question de l'aspect, donc, euh, voilà, on pense que euh, toute, la, toute la science, donc, comme je disais tout à l'heure, a existé. Et cette commission, donc, est basée à la Mecque, euh, financée par l'Arabie euh, saoudite. On pourrait en parler plus, si vous voulez. Et je vais lire juste les deux premières phrases qui sont bien révélatrices de leur manière de concevoir la science. Telle est la science. Et nul ne peut la repousser à moins qu'il soit fou, telle est la certitude, et nul ne peut la nier à moins qu'il n'opte pour l'ignorance. Donc, pour les promoteurs de ce site, la science, c'est la certitude, exactement comme la révélation. Et donc, en fait, tous ces développements, bon, si on les analyse en tant que scientifique, n'ont rien de, de, de rigoureux, et euh, le grand Mohamed Arkoun. Qui était un grand penseur d'origine algérienne, qui a vécu en France, qui a enseigné en France et est décédé il n'y a pas longtemps, parlait de ce concordisme musulman comme des manipulations fantaisistes. Et là, je voudrais m'attarder un peu sur l'origine, pour certains, la justification du concordisme. Pour eux, le fait que on parle de science. Dans le texte coranique euh, signifie qu'effectivement on peut considérer le texte sacré comme un livre de science. Or, Harkoun analyse le mot alm, alm" c'est-à-dire la science, et il précise bien que le mot alm ne signifie, signifie la science liée à la révélation de la parole de Dieu et non pas euh, la science, euh, la science physique ou euh, les sciences. Donc là, vous voyez, il, il oppose al qui est le terme spécifique de science lié à la révélation à la raison pluralisée des sciences. el al est une science ou une connaissance unique qui englobe tout et surplombe tout. Et pour ceux qui connaissent un peu l'arabe, el-rulum. Donc, le pluriel de Helm, ce sont les sciences, et c'est un mot qui n'existe pas dans le texte coranique et qui signifie effectivement les sciences dans le sens les sciences exactes. Mais enfin, on pourra discuter de, de tout cela tout à l'heure. Alors, bon, peut-être, je, je, je vais juste conclure sur le concordisme pour redire que pour nos enfants, euh, cette manière finalement de détourner le texte sacré, euh, a des conséquences. On verra tout à l'heure l'une des conséquences. Et moi, j'ai interrogé des, des élèves, des lycéens, euh, et en leur demandant, mais pour vous, est-ce que vraiment vous pensez que les trous noirs, ça existe, dans le texte, c'est expliqué, dans le texte sourique, etc., eh bien, ils peuvent être facilement séduits par cette thèse, parce que c'est une manière, pour certains, de s'approprier. Cette science, euh, voilà, venue de l'Occident, et cette science, euh, cette, toute cette science moderne, qui leur donne euh, bon tous ces outils de communication, etc. Donc il y a une sorte de frustration qui fait que bon cette manière de considérer que tout cela, de toute façon, nous a appartenu depuis longtemps, euh, est rassurant. Mais bon, euh, on y reviendra. Alors autre autre point de D'inquiétude, c'est la manière dont la théorie de l'évolution est remise en question, euh, et ça c'est un phénomène nouveau. Est remise en question dans, dans un certain nombre de, de sites, et je reviens au site euh, Arun Yahya, qui dénonce le mensonge de l'évolution. Et là, c'est une affiche de, euh, des promoteurs du site euh, qui était à Paris il y a quelques années. Pour organiser donc, une conférence scientifique sur l'évolution, euh, sur l'origine de la vie. Et vous voyez que le titre euh, Islam, religion de la paix n'a rien à voir avec le contenu euh, de la conférence. Et ce site donc, euh, a énormément de moyens, et c'est ce, ce fameux Harun Yahya, donc, euh, pseudonyme de Ranen Oktar, qui avait adressé en 2007 le fameux Atlas de la création. Au, à un certain nombre d'écoles, de lycées, d'enseignants, de, de journalistes, euh, un énorme volume de 7 kilos présentant euh, toute son argumentation contre la théorie de l'évolution. Et vraiment, est, cet ouvrage est, est d'une violence absolument insupportable. Et là, j'ai repris, euh, donc j'ai photographié une page de, de cet ouvrage qui est qui est accessible sur le web et où il est écrit Une alliance sanglante, darwinisme et communisme, avec la photo de l'attentat du 11 septembre et le commentaire suivant, Quelle que soit l'idéologie qu'ils épousent, ceux qui perpétuent la terreur dans le monde sont en réalité des darwinistes. Le darwinisme est la seule philosophie qui valorise et donc encourage le conflit. Fin de citation. Donc vous voyez que bon c'est un c'est une idéologie euh, on va dire euh, bon je dis pas islamiste euh, elle est elle est rétrograde elle n'a rien à voir avec euh, elle, elle a même rien à voir avec l'islam politique parce qu'à n'y en n'est pas dans les réseaux euh, euh, en tout cas de l'islam politique que, que je connais dans les pays arabes et euh, on peut, on peut voir euh, toutes les revues de presse euh, qu'il qu ressort pour montrer que voilà l'atlas de la création donc, qui a été envoyé a terrassé le darwinisme en France et bon alors le, le rejet de la théorie de Darwin en fait par, euh, par ce site euh, je voudrais ajouter que Haroun a assez largement inspiré des créationnistes américains. Et il a créé une fondation donc à Istanbul, qui est la Fondation pour la recherche et la science, la BAV, où il organise donc des, des conférences et où il invite des créationnistes américains, en particulier les créationnistes de l'Institut of Creation Research pour la science de la création. Et euh, bon ces créationnistes écrivent même que effectivement, ils ont aidé le site Harun Yahya pour tout ce qui concerne l'attaque de la théorie de l'évolution, mais euh, en s'adaptant au contexte euh, turc, puisque dans la, dans la religion musulmane, dans le texte coranique, on ne parle pas de, de la terre, âgé de 6000 ans. Donc, euh, on reconnaît, euh, on n'a pas d'âge de, de la Terre comme c'est le cas dans les textes euh, de la chrétienté. Quoi. Et donc, euh, là, vous voyez que la collusion entre tous les fondamentalistes, eh bien, elle se retrouve à travers euh, l'attaque la, de la théorie de Darwin. Alors, c'est un phénomène qui est tout à fait récent dans, dans nos pays. Et là, je veux faire un peu d'histoire parce que... Euh, mais avant de faire un peu d'histoire, je vais vous parler de ma faculté, la faculté des sciences de Tunis, où, où j'ai pu voir quelque chose qui m'a énormément touché. En 2008, la faculté des sciences de Tunis avait organisé un festival culturel et sportif, et euh, on avait demandé aux étudiants de, de faire des peintures sur le mur extérieur de, de la faculté de différents savants. Et on pouvait y trouver euh, Marie Curie. Euh, on pouvait y trouver Einstein quand même, on, enfin un certain nombre de, de grands savants. On pouvait y trouver Rawrazmi, donc le grand savant, euh, euh, qui a, celui qui a inventé l'algèbre, algorithme, ça vient de Rawrazmi. Euh, on y trouvait le portrait de Biruni aussi, un grand astronome euh, euh, du monde musulman. Et il y avait la peinture de... Darwin. On avait aussi peint le portrait de Darwin. Alors, c'est des portraits immenses hein, qui font trois mètres. Et puis, en 2009, l'année 2009, eh bien, le portrait de Darwin a été euh, méchamment euh, euh, touché. Hein, et il n'a pas résisté à, aux quelques islamistes qui ont trouvé insupportable que Darwin puisse se trouver sur le, le mur de, de l'enceinte de la faculté alors aujourd'hui vous ne pouvez plus les trouver parce que tout, le mur a été complètement repeint en blanc. donc il n'y a plus de traces de, de cette enfin pour moi de ce douloureux, ce douloureux moment alors que 2009 voilà au contraire on aurait pu être heureux de, de voir darwin sur les murs de la faculté. alors c'est d'autant plus dommage que dans la tradition donc musulmane on parlait tout à l'heure de, de la science arabe dans, dans nos pays qui a quand même duré plusieurs siècles, pas que deux siècles, parce que souvent on parle de al-Hakma, les 8 et 9e siècles, mais ça a duré, on va dire, six ou sept siècles. La, la vision d'un monde évoluant du simple au, au complexe euh, était présente et a été développée par un certain nombre d'auteurs. Que je vais vous citer donc le premier el jehad donc 8e 9e siècle dans son fameux livre le livre des animaux el jehad donc ça c'est une des pages de, de son ouvrage le livre des animaux remarque les changements apportés par les migrations et le milieu dans la vie animale donc vous voyez qu'il commence déjà à s'intéresser déjà à cette époque là on s'intéressait à à l'influence de l'environnement sur la vie animale, et il développe l'adaptation à l'environnement et la lutte pour la survie. Ensuite, on peut citer Rouen Safa au Xe siècle, les Épîtres des Frères de la Pureté, où l'on peut trouver donc une chronologie de l'apparition des êtres vivants, les animaux aquatiques puis terrestres, et ce qui est intéressant chez eux, c'est qu'il y a déjà. Question de temps long, d'être organisés sur les temps longs, parce qu'il ne peut pas y avoir d'évolution sans des temps longs. Ensuite, je voudrais citer Eben Miskawe, XIe siècle, un philosophe iranien, où euh, il présente une théorie plus précise de l'évolution. Alors je le cite La phase de l'animalité parvient à sa perfection dans le cheval, parmi les quadrupèdes. Et le faucon chez les oiseaux, et arrive finalement à la frontière de l'humanité chez le singe, qui est juste un degré au-dessous de l'homme dans l'échelle de l'évolution. Donc vous voyez que déjà, bon, les choses quand même se précisent, et ça c'était au XIe siècle. Alors, le dernier que je citerai, c'est le grand Ben Khaldoun, euh, qui est. Alors, je ne vais pas dire tunisien parce que s'il y a des Algériens dans la salle, ils se fâcheront. Donc, Ben Khaldoun, le maghrébin, liste le grand historien maghrébin, le père de la sociologie moderne, donc, qui, dans la Mokadima, a présenté de manière assez précise sa vision du monde, du monde des êtres vivants. Alors, je. Je me permets de le citer là sur un bon petit paragraphe qui est bien révélateur de sa pensée, où il commence à parler donc un ordre et une organisation des liens entre les causes et les effets, une continuité entre les mondes créés, une transformation de certains êtres en d'autres. Et il poursuit, le monde animal est très étendu et ses espèces sont nombreuses. Le processus graduel de la génération y aboutit à l'homme doué de pensée et de réflexion. L'homme s'est élevé jusqu'à ce niveau à partir du monde des singes où se rencontrent intelligence et perception, mais qui n'arrivent pas jusqu'à la réflexion et à la pensée en acte. Cela se trouve dans le premier niveau de l'homme qui vient après le monde simiesque. Donc vous voyez le décalage entre la pensée de Ben Khaldun, Ben Khaldun qui trône là. Donc vous voyez la statue sur l'avenue Bourguiba, la grande avenue de Tunis, qui est notre abri lors des manifestations, lorsqu'on veut se reposer un petit peu à ses pieds. Donc c'est Ben Khaldoun qui, qui réfléchissait, qui commençait déjà à comprendre l'évolution du, du monde des êtres vivants et euh, voilà, cette, cette manière réductrice de, de s'attaquer à Darwin et de s'attaquer de s'attaquer à, à la pensée humaine, finalement, à travers euh, ces sites euh, provocateurs. Alors, comment expliquer que après toute cette tradition de science qui dure euh, des siècles, Bon ben Khaldoun, euh, donc 14e siècle, euh, commençait à dire, voilà, euh, le vent de la civilisation a, a soufflé hein, sur les pays du Maghreb, et bon, maintenant, c'est vers les... les les pays du Nord que, que la science va, va se trouver. Alors, c'est intéressant de, de se dire est-ce que l'origine de ce rejet de, de Darwin se trouve vraiment dans le, le texte coranique Alors, je vais vous donner une, une des réponses qui est, qui est celle de Tarek Oubrou, parce qu'il a écrit dans un ouvrage qui est très intéressant Adam et l'évolution, qui a été publié en Belgique. Et donc, il développe sa pensée, son point de vue, dans un article intitulé Propédeutique à une réflexion herméneutique sur le récit coranique de la création. Et pour Tarek Obrou, donc recteur de la mosquée de Bordeaux, le récit coranique n'exclut pas théoriquement la thèse biologique de l'évolution. Et il explique qu'il revient au verset 21-30 que je citais tout à l'heure. Mais c'est la dernière phrase que je vais vous lire de ce verset. Nous avons tiré de l'eau toute matière vivante. Et Oubrou cite un autre verset, le verset 71-14, alors qu'il vous a créé par phases successives. Donc, pour Tarek Oubrou, et il le précise, il dit qu'il ne veut pas se placer dans, une, dans un point de vue concordiste. Comme je disais tout à l'heure, il ne dit pas que le texte coranique avait prévu la théorie de l'évolution parce qu'il est contre ce concordisme, cette manière de, de traiter le texte coranique. Mais lui, il fait euh, une analyse du texte coranique pour dire que le texte coranique n'est absolument pas opposé, enfin, ne, ne, quelqu'un qui qui est croyant, ne peut pas dire qu'il est contre la théorie de l'évolution parce que le texte coranique est contre la théorie de l'évolution. Et je vous cite ces deux versets, on pourrait en citer d'autres. Et je, pour ceux qui sont intéressés, cet article, justement, est très intéressant parce que c'est un article qui est argumenté. Alors, maintenant, on peut se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ça, la théorie de l'évolution... Biologique était enseignée dans les lycées. On parlait tout à l'heure de la réforme en 90, 99, euh, euh, oui en 89, Donc euh, on a renforcé l'enseignement de la théorie de l'évolution dans nos lycées en dernière année, en classe terminale. Et voilà l'ouvrage de dernière année. Alors parce que nous les, les classes terminales, c'est première, deuxième, quatrième. Donc quatrième, c'est la, la dernière année du, du lycée. Et vous avez donc dans le livre qui circule actuellement la première page du chapitre sur l'évolution biologique avec la photo de Darwin. Donc vous voyez que c'est une bonne réponse à ceux qui pensent que voilà dans les pays musulmans, eh bien on ne peut pas enseigner la théorie de l'évolution. Non, dans les pays musulmans, on peut enseigner la théorie de l'évolution et on l'enseigne en Tunisie. Alors bon, ça peut effectivement susciter des réactions, c'est possible. Et là, justement, je me suis intéressée à, au travail d'enseignants qui ont porté leur attention sur le comportement des élèves lors de cours sur la théorie de l'évolution. Et on peut constater qu'il y a un effet négatif du concordisme musulman et l'attitude des élèves, c'est-à-dire la confusion du religieux et de la science. Alors ma collègue Saïda Harwa, euh, enseignante à la faculté des sciences de Tunis, a analysé le, le comportement des élèves, mais elle a fait un travail didactique avec ses, ses élèves et euh, elle les a interrogés donc, euh, au départ et elle a constaté chez un certain nombre de classes, enfin des élèves de, de, de classe terminale, qu'il y avait deux obstacles concernant l'enseignement de la théorie. De l'évolution, un obstacle général, c'est-à-dire l'amalgame des référentiels argumentatifs, c'est-à-dire quand j'enseigne la biologie, eh bien mon référentiel c'est le référentiel scientifique. Maintenant, si on est en dehors du, du lycée, euh, bon, on peut être euh, n'importe où, pas nécessairement à la mosquée, mais on peut s'intéresser donc à, au point de vue du euh, du religieux, mais pas nécessairement sur la théorie de l'évolution, ça peut être sur autre chose. Donc, à ce moment-là, le référentiel est le référentiel théologique. Alors, le deuxième obstacle, c'est une conception composite de la diversité du vivant. Et donc, c'est une conception qui explique de façon conjointe la diversité du vivant. C'est en même temps un peu l'œuvre divine et un peu les processus évolutifs. Donc, on est un peu entre deux. Et là, euh, je vais vous lire euh, les réactions de ses élèves. Donc, elle a encadré euh, pendant plusieurs semaines. Alors, elle les a encadré comment Elle leur a donné des textes, tous scientifiques bien sûr. Alors, des textes historiques, que ce soit euh, dans l'histoire, euh, tout à l'heure je parlais de, de l'Jehd, bon, il y a des extraits du livre des animaux. Euh, il peut y avoir aussi des extraits de, de Bentraldoun, mais il y a aussi euh, Cuvier, Lamarck, euh, Darwin. Euh, voilà, donc c'est des textes qui sont choisis pour être lisibles par un, un jeune lycéen. Donc, et euh, elle a donné aussi euh, des, des textes pédagogiques, donc une manière aussi de leur expliquer comment le chercheur en fait euh, en biologie fonctionne avec. La difficulté de la science biologique, qui, où on ne peut pas reproduire une expérience, et donc on doit, on a, c'est une science qui est aussi historique, puisqu'on travaille sur des processus donc qui, ont, qui sont étalés dans le temps. Et au bout de ce travail-là, je reprends deux extraits de deux de ses élèves, donc Asma qui dit. Il y a les idées scientifiques, mais il y a les idées religieuses. Les deux idées sont la première, celle de l'ancêtre commun, et la deuxième, celle que Dieu a créé les êtres vivants. Avant, nous ne pouvions pas différencier les deux. Maintenant, je pense hum, que nous sommes capables de différencier les deux idées. Donc vous voyez quand même, si on travaille les élèves, on est capable de les faire avancer en tout cas de leur faire comprendre que, comment ils doivent euh, travailler dans le domaine scientifique et puis euh, comment aussi ils ont la possibilité voilà de faire leur chemin personnel. Et Samson qui est peut-être c'est encore plus, plus clair qui dit si on se penche du côté de la référence religieuse tout a été créé, sous la forme où il existe là maintenant. Nous, nous ne pouvons rien y ajouter. Telles les choses ont été créées, telles nous les voyons et devons les accepter. Alors que, si nous suivons une démarche scientifique, nous allons chercher pourquoi les êtres sont ainsi, ils ont évolué, comment Qu'est-ce qui prouve qu'ils ont évolué Autrement dit, nous, élèves, allons nous comporter comme les gens du domaine scientifique, ils cherchent, ils tentent de retrouver des solutions. Fin de citation. Et donc, vous voyez que tout est possible si on décide effectivement d'écouter les élèves et si on, on a vraiment l'art aussi de, de leur transmettre ce qu'est, voilà, comment réfléchir, comment les amener à avoir un, un esprit critique. Mais on peut s'interroger alors encore, pourquoi ce blocage par rapport à la science Et pourquoi aujourd'hui Parce que, bon, on sait que le monde musulman, je le répète encore, parce qu'il faut, il faut bien le rappeler, pendant des siècles a été au devant de la scène scientifique dans tous les domaines, dans le domaine de l'astronomie, dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'algèbre. Euh, et donc, c'est plus que ça a été plus que des, des traducteurs parce que souvent on dit oui mais la science arabe n'a fait que traduire. On a traduit euh, Ptolémée, bien sûr, on a traduit Ptolémée, mais on a aussi produit, on a aussi contribué. Quand je dis on a, oui, le monde arabo-musulman a contribué à la construction de la science d'aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui on est une bonne partie des personnes qui s'attaquent de cette manière à la science. Alors, c'est une certaine conception, en fait, de la vérité. Ce qui à est à l'origine, c'est la tradition orthodoxe sunnite. Bon, je, ne, je ne parlerai pas du tout du, du chiisme, étant vivant dans, un, dans, un, dans des pays où le, le sunnisme est, est prédominant. Et donc, c'est la tradition orthodoxe sunnite qui paralyse l'esprit critique. Et Je vais en parler un petit peu plus parce que cette conception mène à l'enfermement dans la certitude. Et je citais tout à l'heure le, le site de la Commission des miracles scientifiques du Coran où on mettait en avant la science, c'est la certitude. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de Ibn Taymiyyah. Qui était un penseur en, en c'est une des, 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 des grandes écoles. Et Ibn Taymiyyah est le maître à penser des Wahhabites. Les Wahhabites, le Wahhabisme, c'est euh, cet islam très rigoriste de l'Arabie saoudite que je ne connaissais pas du tout lorsque j'étais euh, enfant, lorsque j'étais lycéenne et, et même lorsque j'étais étudiante. Et en fait, que j'ai découvert avec euh, la montée de, de l'islamisme. Euh, en particulier à partir des années 80. Alors a écrit La certitude du texte ne peut être ébranlée par l'action incertaine de la raison humaine, toujours faillible par ses remises en cause. Non seulement la raison ne peut conduire à aucune connaissance certaine, mais elle produit la divergence et fait naître le trouble. Et vous voyez que là c'est très 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 profond parce que voilà, la, la raison n'a pas lieu d'exister. Et en fait, Razzelli, donc théologien sunnite du XIe siècle, disait déjà l'incertitude est le capital de la foi. Alors, bon, si on s'arrête à un certain domaine, bon, on peut, on peut le, le comprendre, mais Razzelli s'attaque à la raison, s'attaque à la raison critique et il a écrit un certain nombre d'ouvrages dont erreur et délivrances », et là il s'attaque aux philosophes il s'attaque aux sciences à propos desquelles il écrit le risque est considérable en conséquence il convient de blâmer les mathématiciens quoique sans rapport avec la religion les mathématiques sont à la base des autres sciences celui qui les étudie risque donc la, la contagion de leurs vices. Peu s'en occupe sans échapper au danger de perdre la foi. Donc, voilà. En fait, euh, les sciences, le rôle de la raison, tout cela est, est, est remis en question par euh, euh, bon, les défenseurs de, enfin, ou ceux qui ont construit et qui ont contribué à la prédominance de l'orthodoxie sunnite. Et je termine dans cette lignée par une star médiatique de la chaîne Al Jazeera, Youssef Kardawi, pour qui la science est religion et la religion est science. Donc, le conflit entre science et religion est étranger à l'islam. Bon, de toute façon, vous voyez que si la science est religion et la religion est science, bon, je ne sais plus ce qu'est la religion ni ce qu'est la science. Mais bon. Euh, C'est ça, les prédicateurs, vous voyez que ça n'a rien à voir avec. Euh, bon, euh, Razzelli, je ne suis pas d'accord avec ce qu'écrit Razzelli, mais on n'est plus du tout aujourd'hui au même niveau. Bon, Razzelli était, pour l'orthodoxie, a, a, a été un de, de ceux qui ont vraiment mis en avant cette, ce, ce refus de, de la raison critique. Il avait ses raisons et il savait le. Le, le décrire, mais vous voyez qu'aujourd'hui, euh, bon, on est tout à fait dans un autre registre d'écriture. Alors, quelle réponse à ceux qui refusent la science Parce que là, je ne vais pas vous donner cette image, terminée par cette image du, de, du monde auquel j'appartiens, en ne citant que ceux qui refusent la science. Et je crois que ce qui est important aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis là ce soir, entre autres, avec, en plus du plaisir d'être parmi vous et de vous parler un peu de science, mais c'est de, aussi de donner la parole aux penseurs rationalistes musulmans. Et là, bien sûr, je reviens à Al-Jahd, parce que tout à l'heure, je parlais de al et de son livre des animaux, mais il faut savoir que Al-Jahd, c'était un, un grand prosateur arabe et c'était un des théoriciens du Mortasilite. Le Mortasilite, c'était la pensée rationaliste musulmane, donc euh, au 8e siècle, mais malheureusement, voilà, les Mortasilites n'ont pas gagné la bataille et c'est euh, la, la thèse acharite qui a, qui a dominé. Et, voilà, lorsque vous lisez Razeli, c'est l'anti-Mortasilite. Et Jihad, justement, lui, au contraire, parle du doute. Le doute comporte des degrés, tabakat. Mais il n'existe pas de consensus sur le fait que la certitude aussi comporte des degrés, des niveaux hiérarchiques plus ou moins forts ou faibles. Donc voilà, l'un met en avant la certitude et l'autre met en avant le doute. Et toute la différence est là. Alors bien sûr, j'ai parlé de Razeli, mais. Celui qui a repris toute la pensée de Razzelli en s'y opposant, c'était Ebenrocht, Averroes pour les latins. Et Averroes donc, a été un, un grand philosophe andalou au XIIe siècle, donc un siècle après Razzelli, qui écrivait au contraire, donc qui parlait de raison. Rien ne prouve mieux la sagesse divine que l'ordre du cosmos. L'ordre du cosmos peut être prouvé par la raison. Nier la causalité, c'est nier la sagesse divine, car la causalité est une relation nécessaire. La seule fonction de la raison est de découvrir la causalité, et celui qui nie la causalité, nie la raison et méconnaît la science et la connaissance. Alors, la causalité pour les scientifiques, c'est très important. Ça veut dire que si je ne reconnais pas qu'il y a des causes secondaires, ben, je ne vais pas chercher à expliquer le monde qui, qui m'entoure. Et en fait, Razzelli, je n'ai bon, pas eu le temps et je, ça sort du cadre de cette présentation. Razzelli est justement dans cette pensée qui nie la causalité, puisque. Pour cette orthodoxie sunnite, la charisme, dans le cadre de la charisme, en fait, Dieu est à l'origine de tout et c'est aussi, ça a des conséquences, si vous voulez, sur la, la personnalité de l'homme, sa, son, son, sa responsabilité sur terre, etc. Donc c'est vraiment deux visions complètement opposées auxquelles c'est. Euh, S'est attaqué Ibn euh, Et euh, là, justement, face à, il répond à Razeli qui avait écrit Destruction euh, de la philosophie, en fait. Et Ibn euh, Rushd aut répond Autodestruction de l'autodestruction. Et il explique, justement, que Dieu n'est que cause première. Il n'est pas cause unique, ce sont bien les causes secondes qui gouvernent le monde. Si je ne reconnais pas la loi de, de Newton, et eh bien, et là, il y, y a des, des passages de Razelli extraordinaires où on dit, mais eh bien, oui, après tout, quelque chose peut ne pas tomber. Si je frotte une, une allumette, le feu peut ne pas apparaître. Et eh bien, si, si Dieu a décidé que. Ça ne sera pas le cas. Donc, il n'y a plus de loi de physique, il n'y a, a plus de science finalement. Alors là, sur Heidegger, euh, je voudrais terminer à, à son propos pour dire, voyez, aujourd'hui, quand on parle de Ebenrosht, on dit à parce que finalement, qui s'est approprié l'héritage de C'est l'Occident. L'Occident a reconnu la force de ce philosophe, et c'est pour ça que on a oublié qu'il s'appelait Ibn Alors, moi, je dis, le jour où le monde musulman, où le monde tout court dira non pas Averroes, mais Ibn ça veut dire que, quelque part, la raison est revenue dans, dans le monde musulman. Mais enfin, il n'y a pas qu'Averroes et d'autres ont continué dans cette, dans cette réflexion. Et donc, là, je voudrais parler d'un grand. Un grand homme politique tunisien, enfin pas tunisien, qui a été Premier ministre en Tunisie, Kheddin, et qui, lui, euh, donc c'était le 19e siècle, euh, réellement considérait qu'il fallait que nos pays sortent de l'état dans lequel il, il, nos pays étaient et il fallait retrouver le, le chemin de la science. Et il, avait, il a écrit un, un ouvrage extrêmement intéressant, donc, euh, a écrit en, a écrit, qui, dont vous voyez euh, qu'il a écrit entre autres en français, parce que Haledine, donc euh, maîtrisait le, le turc, l'arabe, et il avait des éléments, assez, euh, euh, des éléments de français, enfin il comprenait le français, alors bon il, il a dû se faire aider pour, euh, pour écrire son ouvrage en français. Donc, essai sur les réformes nécessaires aux États musulmans. Il ne ménage pas les roulemains, c'est-à-dire les, les docteurs de, de la théologie, on va dire, traditionnelle. Et il écrit, la plupart de nos roulemains se montrent peu soucieux de connaître les affaires intérieures de leur pays et, ignorant complètement ce qui se passe chez les autres, ils se trouvent par suite dans l'impossibilité de remplir Convenablement leur mission temporelle. Et pourquoi c'est important Khalidine chez nous et même au Maghreb, c'est que Khalidine a créé l'école moderne, l'école Sadiki, qui a créé toute cette génération de Tunisiens ouverts, dont Bourguiba, dont mon père, dont mon grand-père, mes grands-pères. Et donc en 1875, il a créé le collège Sadiki. Dans la, de telle sorte que dans ce collège, on n'enseigne pas seulement les, euh, les sciences traditionnelles, c'est-à-dire euh, ben, toute la rhétorique, euh, le, le droit musulman, etc., mais on enseigne aussi les sciences exactes qu'on appelait à l'époque les sciences utiles. Et, euh, et alors, et, et, le décret de, de création de, de l'école... Justement, il avait bien insisté sur le fait que, quand même, on, avait, on allait continuer à enseigner les sciences charaïques, mais qu'on allait introduire des notions de sciences utiles. Bon, en fait, on introduisait bien plus que des notions de sciences utiles, puisqu'on introduisait aussi l'histoire, on introduisait aussi les langues étrangères, on introduisait aussi la philosophie, et pas seulement la philosophie islamique. Et donc, ben, voilà, Khéreddin, ça a été le, le début de la modernité euh, de cette euh, classe tunisienne qui est, qui est cultivée. Et dans l'ouvrage que j'ai cité tout à l'heure, euh, Khérédine rappelle à juste titre « Tout individu de bon sens doit, avant de s'opposer à une innovation, la peser avec impartialité et l'examiner avec les yeux perçants de l'intelligence. Et s'il la trouve bonne, il doit l'adopter et l'appliquer que son auteur soit croyant ou non. Du reste, c'est un des principes de notre croyance qu'il faut prendre la science là où elle se trouve. Donc vous voyez que là, pour lui, les choses étaient claires et c'est vrai que la modernité en Tunisie a commencé à partir du XIXe siècle. Alors je voudrais ajouter qu'elle n'a pas seulement commencé avec Réledine, mais en fait maintenant, alors, le, le, vous savez, l'esclavage a été aboli en Tunisie en 1840. 46 ça a commencé la a commencé en 1842 elle s'est terminée en 1846 donc euh, vous voyez que la modernité et, et la sortie de, des ténèbres on va dire a vraiment commencé au cours de, de ce 19e siècle alors je veux toujours un peu d'histoire parce que vous voyez que maintenant quand on parle de, de modernité on dit oui mais la modernité elle est elle est occidentale euh, bon, là, je veux citer un grand Tunisien, Tahradhed, dont on a fêté la semaine dernière les 80 ans de sa disparition. Tahradhed était sorti de l'université de la Zitouna. C'était un théologien et il s'était beaucoup intéressé au droit. et Il avait écrit un ouvrage qui fait date, enfin qui a marqué l'histoire de la Tunisie sur la question des femmes. Et donc, voilà, son ouvrage, la traduction de son ouvrage s'intitule Notre femme, la législation islamique et la société. Et alors, cet ouvrage, donc, sa traduction a été publiée en 1860, au milieu des années 70. Et je ne sais pas si vous pouvez lire la petite légende. Donc là, c'est une des, une des, des images de, à la fin de l'ouvrage il y a quelques représentations. Alors, et il y a deux femmes, mais avec le commentaire suivant Notre femme entre un passé évanoui et un présent prometteur. Évidemment, la femme de dos, bon, pour Tarhadet, c'est le passé, et la jeune fille, voilà, faisant du sport, hein, c'est l'avenir. Bon, je ne sais pas, euh, s'il voyait la Tunisie d'aujourd'hui, peut-être que dans certains endroits al Haddad se dirait que peut-être il n'a pas été assez clair dans son, dans son ouvrage où vraiment il, il est pour l'égalité totale entre les femmes et, et, et les hommes. et je rappelle que c'était un théologien. alors, face à ce, on va dire, cette situation un peu difficile au niveau du savoir, etc., dans nos pays, il y a eu un rapport enfin régulièrement, donc il y a des rapports de, du PNUD Extrêmement intéressant, mais pour ceux qui, qui s'intéressent à, à cette question, il y a un rapport euh, qui a été publié en 2003 sur euh, le développement humain euh, dans les, les pays arabes. Et ce rapport a été euh, donc euh, comme. La plupart des rapports du PNUD ont été faits donc par des, des personnes qui connaissent le, le sujet. Donc, Il y a eu énormément de, de penseurs euh, du, monde, du monde arabe, de chercheurs, d'universitaires qui ont été impliqués dans la rédaction de, de ce rapport. Et je retiens, euh, voilà, lorsque le rapport est sorti, euh, ce que les rédacteurs du rapport euh, ils appelaient à quoi Ils appelaient à la reconquête du savoir arabe. Et j'ai retenu un petit bout de, de cet appel, c'est-à-dire de faire en sorte que, voilà, euh, on puisse trouver autre chose que les idéologies qui, qui nous étouffent et qui inhibent l'esprit critique, qui privent les Arabes de leur riche patrimoine et bloquent le libre flux d'idées et d'apprentissage. Donc vous voyez que dans notre monde, nous sommes bien conscients qu'il faut, c'est par le, le savoir que nous retrouverons voilà, notre, notre place de premier en sciences. Et bien sûr, euh, j'ai commencé par abdel Là, je ne peux pas ne pas citer abdel dans cette phrase que j'aime beaucoup où il parle de la science. Alors, l'émerveillement est une marque spécifique de la vraie science, une perception que la connaissance scientifique grandit, que la nature suscite et qui peut conduire à des aspirations spirituelles. Ce chemin est alors personnel. Voilà ce que disait Abdeselem, parce que justement, il voulait aussi parler de sa foi, mais il voulait aussi mettre en avant l'importance de la science dans nos pays. Et vous savez qu'il a créé le fameux centre de recherche théorique de Trieste, qui jusqu'à maintenant accueille des chercheurs des, des, pays, euh, des pays du Sud. Et voilà. Alors mon espoir, c'est la jeunesse. Vous avez le petit garçon. Bon, les années 50, vous voyez, on était encore au noir et blanc, et puis la craie, et, et son, sa, petite, euh, sa petite coiffe traditionnelle, hein, la chéchia. Et puis, euh, voilà, après janvier 2011, l'avenue Bourguiba a décidé de fêter la lecture. Et donc, tout le monde était dans la rue, un petit livre à la main. Et voilà, cette petite fille, c'est une de celles qui s'est dérangée ce dimanche, je crois, 18 avril 2012 pour montrer que oui, la lecture, c'est important pour la société du Savoie, et puis, j'espère, pour 2016, plus de liberté et de paix. Je vous remercie. S'il y a une phrase que je devais retenir de, de cette soirée, c'est vraiment celle, celle que vous venez de citer. S'il y a une marque spécifique de la vraie science, c'est bien l'émerveillement, celle de Abdou Salam. C'est vraiment une très très belle phrase. Voilà, je pense que avec ce panorama que vous nous faites de, de, de la science et de l'islam, on a appris beaucoup de choses. On en apprend encore beaucoup plus dans le livre parce qu'évidemment, vous développez davantage encore toutes, toutes ces choses que vous nous avez dites ce soir. Euh, je vous invite à aller le feuilleter tout à l'heure. La librairie Le Fayer est, est ici présente et, et vous pouvez donc feuilleter le livre et éventuellement le faire signer par Faouzia si, si vous le souhaitez. Il est sorti en 2013, oui. je crois. Hein en 2013, et vous êtes en train de travailler à l'heure actuelle sur un nouvel ouvrage qu'on aura peut-être l'occasion de présenter ici oui. un de ces jours, je l'espère. En tout cas, euh, peut-être avez-vous des précisions, des réactions, des envies de poser des questions à Faouzia euh, Farida Sherfi qui est là euh, en France pour euh, encore quelques jours, je pense. Mm -hmm. Voilà qui arrive de Bruxelles, où oui. elle a participé à... La religion dans la cité. Voilà, <laughs> une colloque sur la religion dans la cité. Allez-y, je vous en prie, posez votre question. Euh, bonsoir, salam alaykoum, et merci beaucoup, docteur Charfi, pour, pour cette excellente présentation. Dans les penseurs modernes que vous avez mentionnés, donc vous avez mentionné le docteur Abdesalam, même encore plus récent, j'avais pensé au docteur Nidal Qasoum, que peut-être vous connaissez, qui, qui a beaucoup travaillé justement sur ce dialogue science et religion, et qui a fait un livre dont le titre, c'est euh, Comment réconcilier la science et la religion avec euh, l'esprit d'Averroès justement, qu'il a mentionné dans, dans le titre. Quoi. Et après, j'avais beaucoup apprécié, bon, c'est plus une remarque qu'une question, euh, vous avez mentionné Al-Razali, qui est un grand penseur euh, plus spirituel que scientifique par rapport à, à d'autres exemples que vous avez cités, euh, et qui a fait effectivement cette critique, et, euh, et je vous remercie de l'avoir rappelé en fin de en fin de conférence, que c'était bien dans un contexte précis où il s'attaquait, enfin, euh, à ma connaissance, qui s'attaquait à, à plus aux philosophes qu'aux scientifiques, même si après dans la citation, il a mentionné les mathématiciens, Et puisque les, les philosophes utilisent la raison, et à cette époque-là, il, il était inquiet que euh, l'attrait euh, de, de la philosophie n'entraîne une, une baisse de foi dans, chez, les, chez les fidèles. Et je, et je pense, dans son livre, notamment celui que vous avez mentionné, c'est une des inquiétudes que que j'avais l'impression de ressentir dans, dans son discours contre euh, les sciences en général, même s'il il avait focalisé à la base sur les philosophes. Autrement, je vous remercie beaucoup je pour l'excellente euh, intervention. <laughs> oui, alors, bon, on peut ne pas être d'accord sur tout, vous voyez. Bon, Averroès a répondu à Razelli. Et justement, toute la question, c'est que pour moi, pourquoi s'attaquer à la philosophie la philosophie, euh, bien sûr, le doute est toujours perturbe toujours, mais euh, si on refuse euh, de, cette interrogation critique, cette, euh, bien à ce moment-là, il n'y a, a plus de limites. Et malheureusement, euh, c'est ça. Nous sommes aujourd'hui en train d'assister à une sorte de, de, de fermeture dogmatique. Et j'ai précisé que Razzelli était un grand penseur. Je ne partage pas le point de vue de Razelli, mais justement la différence entre Razelli et ce que nous voyons aujourd'hui, on n'est pas du tout, euh, on n'est pas du tout dans les mêmes. Euh, bon, Razzelli a défendu sa manière de considérer que la philosophie pouvait être un danger pour la foi, et il l'a exprimé, euh, bien sûr, euh, et, et c'est toujours intéressant de le lire, même si on ne le partage pas. Mais moi, je regrette quand même, et ça, j'ai terminé. Je regrette que la pensée d'Averroès qui a tenter de déconstruire justement la pensée de Razelli ne soit pas suffisamment connue dans le monde musulman et appréciée dans le monde musulman. Merci de votre intervention. En tout cas. Alors, monsieur, une question, un habitué de nos conférences, un fidèle. Bonsoir et merci, madame. Une belle présentation. Comment, aujourd'hui, peut-on enseigner la science de façon neutre, c'est-à-dire purement scientifique, sans Parti pris, ni religieux, ni islamique, ni arabe, ni euh, etc. Mais la science, vraiment la physique, les mathématiques, euh, l'astronomie, etc. Mais euh, j'allais dire euh, naturelle, simplement sans aucune allusion à un lieu quelconque. Quoi. Comment l'enseignement actuel dans vos pays peut euh, justement rétablir la bonne science Écoutez, d'abord, moi, j'ai enseigné longtemps dans mon oui. pays. là-bas. Bon, je n'enseigne plus depuis 2002, mais ça m'arrive. 45 de... ans, vous avez enseigné. 45 ans, oui, mm -hmm. j'ai enseigné 45 ans. Donc, c'est un, un bail quand même. Je sais, j'adore ça. Et vous voyez, mais même quand mes étudiants remettaient en cause Einstein, je les ai écoutés. Parce que ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas de, de, de refuser. Bien sûr, je n'étais pas... j'ai essayé de leur expliquer que, voilà... Il refusait que la vitesse de la lumière soit finie quand on parlait d'Einstein. Mais ah bon quand on parlait de Maxwell, alors là, c'était bon parce que là, c'était l'aspect le, le, opératoire voyez, de la science. Alors que Einstein, c'est quand même une conception du monde, donc du temps, de l'espace, etc. Et je crois que l'on peut tout à fait... Euh présenter la science de manière neutre. Moi, je, je, je suis euh, là en novembre dernier. On, on a organisé la science en fête fait, à Tunis. On a traité d'un certain nombre de sujets. Bon, on était peut-être plus dans les mathématiques que, que la physique, mais euh, j'ai eu l'occasion de faire des conférences, euh, voilà, sur euh, l'évolution de l'univers. Et ceux qui me posaient des questions sur, euh, ben oui, l'origine, mais le physicien n'a jamais prétendu. Euh, euh, Donner quoi que ce soit comme, euh, comme élément sur l'origine de l'univers. On parle d'évolution de l'univers. On n'a pas, c'est pas le rôle du, du physicien de répondre à ce genre de questions. Donc, si on est conscient du fait que c'est fondamental, quand on enseigne la théorie de l'évolution, de pas mélanger les sphères, hein, pas d'overlapping, euh, voilà. Eh bien. On, on est tout à fait capable d'avoir un enseignement euh, avec toute la méthodologie. Et avec ma collègue, justement, Saïda Arwa, on a fait, euh, on a fait une expérience l'année dernière, on était quatre, où on a traité la question de la méthodologie scientifique à des étudiants de, de master. Parce que je crois que c'est ça qui est important. C'est que moi, je, en tant qu'enseignante, j'ai pas de discours idéologique. C'est. Maintenant, on peut, on, peut, on peut très bien expliquer à un étudiant qu'est-ce que c'est que la, la méthodologie scientifique, comment la science est construite. Et justement, je crois que peut-être, si on introduisait un peu partout l'histoire des sciences, peut-être que les étudiants comprendraient que voilà, la science doit être autonome du reste. Est-ce que, est que le monde musulman ne devrait pas justement être très fier de son apport euh, aux sciences à une, à une certaine époque, pendant, pendant des siècles, euh, et, et être fier simplement de, de cela sans euh, que ce soit actuellement récupéré euh, c'est une forme de récupération que de ah. dire que tout était déjà dans le Coran, etc. etc. Euh, comment, comment faire que vous disiez, je crois que vous nous disiez pendant que nous dînions, qu'il euh, y a un manque d'éducation, un oui. manque d'enseignement de, de, justement de, oui. de, de l'histoire des sciences, de, 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 votre, de, de ce monde aussi Parce que, vous voyez, plutôt que de dire, regardez, on, on a inventé beaucoup de choses. Aujourd'hui, qui, qui ne sait pas ce qu'est un algorithme pas Algorithme, c'est. Le, le, le... voyez Mais non, on ne parle pas de ça. On parle du concordisme. Mais le concordisme n'a rien à voir, ni avec la religion, ni avec la science. Moi, vraiment, je, je pense que c'est grave de, de, de considérer que c'est anodin. Ça n'est pas anodin. Et vraiment, aujourd'hui, moi, je, je veux me battre contre cette déviation. Alors qu'on pourrait. Justement, conforter nos enfants et leur dire que voilà, nous avons contribué au patrimoine de l'humanité, au patrimoine scientifique de l'humanité. Ce serait formidable. Ça, oui. Alors, il y a une question ici, puis on reviendra vers vous euh, tout à l'heure. Hein. Bonsoir, Madame. Euh, bonsoir. Où êtes-vous Ah, pardon, vous ne voyez bonsoir, pas. Bonsoir, Madame. Merci pour cette conférence que vous avez présentée avec talent et charme. Et je m'adresse à la physicienne que vous êtes. Euh, la mécanique quantique nous enseigne qu'effectivement, une grande partie du réel nous restera à voiler à jamais. Et je veux pour preuve le principe d'incertitude d'Eisenberg et aussi le phénomène d'intrication. Ce qui a fait dire à Bernard d'Espagna le, regret, le regretté Bernard d'Espagna qu'effectivement, <coughs> qu'on peut effectivement évoquer un principe créateur. Qu'est-ce que vous pensez effectivement de cette réflexion Merci, madame. On peut toujours, à titre personnel, laisser aller sa pensée. Et... Mais je, je vous renvoie gentiment à la question. Est-ce que un enseignant de mécanique quantique, de physique quantique, et moi je l'ai enseigné, va euh, sortir du cadre de la physique quantique Il va enseigner les, les relations d'incertitude d'Heisenberg. Bon, après, bah, chacun peut faire son, comme dit Abdélélem, après, c'est le chemin personnel de chacun. Moi, je respecte complètement ceux qui considèrent que oui, bon, la physique quantique, c est, c est, ça trouble, oui, effectivement. Mais le physicien n'a jamais eu la prétention, de toute façon, d'expliquer pourquoi le monde est comme cela. Il, le physicien n'a pas la prétention d'expliquer que... Oui, à un certain niveau microscopique, évidemment, le monde, hein, comme, dirait, comme disait Richard Feynman, Fey Fey le, le, les, partic le, les particules sont complètement dingues. Les objets quantiques, quand il en parlait, c'est des particules complètement dingues. Bah oui, euh, ça, ça sort de notre, de notre réel. Mais là, je pense que si on fait de l'histoire des sciences, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que les grands savants comme Darwin, etc., réalisaient la difficulté de faire passer des idées nouvelles. Parce que, bon, c'est quand même une autre vision de, de la matière que nous offre la physique quantique. Et Darwin disait c'est toujours difficile de se battre contre le sens commun. Et justement, la physique quantique n'est pas conforme au sens commun. Et pourtant, ça marche. La caissière au. Haut. Au, à chaque euh, magasin, eh ben, elle utilise le, le laser, euh, qui est un pur objet quantique, euh, pour lire le code barre. Oui, ça marche, et pourtant, ça nous échappe. Euh, Monsieur, devant, devant vous, 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 vous parlez donc vous, du, du concordisme, mais euh, à un moment donné, vous avez, vous avez cité l'un des fondateurs du wahhabisme. Mais justement, est-ce qu'il ne faut pas replacer le, le problème que pose le concordisme en islam dans un contexte beaucoup plus large sur le plan juridique euh, Quand on voit euh, ce qu'a donné le, bien le wahhabisme, quand on voit comment il a été appliqué, comment il est appliqué toujours en Arabie Saoudite au niveau juridique, avec une charia qui, quand même, euh, avec un courant qui est quand même interprété d'une façon moyenâgeuse, est-ce qu'il ne faut pas replacer cette, cette méfiance vis-à-vis -vis des sciences et ce concordisme dans un contexte beaucoup plus large d'une difficulté de l'islam à. à, à enfin, euh, l'islam qui, qui, qui est important dans ces, ces régions-là a pris quand même le, les, enfin, cet enfin, s'est inspiré du wahhabisme et donc des formes de, de l'islam les plus les, plus rigor, les plus rigoristes. Alors bon, d'abord le, le concordisme, c'est comment dire, c'est exploiter le, le texte coranique. et euh, Monsieur, tout à l'heure, parlait de Nidal Gassoum qui, dans son ouvrage, comme moi, s'attaque au concordisme et considère que c'est réellement un détournement de, de, de l'islam que de faire dire au texte coranique que toute la physique était dans le texte coranique. Donc, nous sommes un certain nombre à euh, vraiment nous battre contre ce, bon, cette manière... Euh, finalement, de, de montrer à nos enfants autre chose que ce qu'on a envie de, de leur expliquer, en tout cas, que ce soit au niveau de leur formation ben oui, religieuse, si, pour ceux qui veulent, et, et de leur formation scientifique. Alors, wahhabisme, c'est autre chose. Et ce qu'on dit aujourd'hui, la difficulté de l'islam, il n'y a pas l'islam. Justement, moi, si j'ai tenu à parler des, des penseurs musulmans, vous voyez, il y a bon, déjà Razel et Averouet, ces deux points de vue, euh, ce sont deux philosophes et ils ont des points de vue complètement différents, ils ont des visions philosophiques complètement différentes. Donc aujourd'hui, il y a déjà un problème parce qu'on dit l'islam comme si c'était un tout. Deuxièmement, on a souvent euh, tendance à essentialiser oui, c'est dans l'islam. Non, ce n'est pas dans l'islam. Alors. Quelle est la, la, je comprends tout à fait votre question et je vous remercie de m'avoir posé la question parce que moi ce que je dis et que j'essaie d'expliquer, c'est qu'en fait, le, quand on parle de la charia, ou tout à l'heure euh, j'ai parlé de le Coran et la Sona, la charia, la sauna, ça n'a rien à voir avec le texte coranique, quand je dis ça n'a rien à voir, c'est-à-dire le texte coranique et le message divin qui a été transmis au prophète Mohammed. Maintenant, la charia, et j'ose le dire, peut-être certains ne seront pas d'accord avec moi, la charia c'est le droit islamique qui a été écrit par des hommes. La charia, dans la charia, il y a l'apostasie, c'est-à-dire est condamné celui qui quitte sa religion. Que dit le Coran Nulle contrainte en matière de religion. L'apostasie n'existe pas dans le texte coranique. C'est la charia qui a, qui a introduit la, la lapidation des femmes adultères n'existe pas dans le, 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 le texte coranique. Le texte coranique n'a jamais parlé de, de, de voile intégrale ou de, de choses comme ça. Donc, on pourrait citer que de choses qui ont été introduites. Et en plus, la charia a commencé à être, on va dire,. Euh, euh, institutionnalisé plus d'un siècle après la mort du prophète. Donc, c'est vraiment une construction des Roulama et des Foukaa. Bon, ben, tout le problème aujourd'hui de, de l'islam, c'est d'accepter, et moi, c'est ma vision, que une religion a été, l'islam a été, par exemple, pour les femmes, ça a été une avancée en son temps. À l'époque, du temps de, de la révélation, les filles, dans aucun pays européen, les filles n'avaient droit à un héritage. Eh bien, dans l'islam, les filles ont droit à leur héritage. Alors, il y a inégalité, mais en fait, là, on peut en discuter aussi. Cette inégalité, elle est maintenue parce que on, on s'attache à un hadith, etc., qui dit que voilà, on ne peut pas. Euh, cédé par testament à quelqu'un qui est héritier. Donc vous voyez que là, des exemples comme ça, je peux en citer autant que je veux. Il y a une différence entre euh, ce qui relève bon, de l'histoire et ce qui relève bon, d'un texte qui peut aujourd'hui être interprété, en tout cas beaucoup ont des lectures, et déjà ça a commencé au 19e siècle, le fameux siècle de, de la Nada. Et donc, euh, bah oui, le wahhabisme, c'est une forme de l'islam complètement rigoriste. Et, et vous avez raison, tout à l'heure je disais, moi c'est un islam que j'ai découvert avec la montée de l'islamisme. Mais c'est une forme. de. Et j'espère, je, malheureusement, en France, il y a eu aussi, bon, peut-être... Euh, des imams qui ont été formés à cette école-là. Donc c'est dommage de ne pas donner des enseignements religieux à ceux qui le veulent, mais non pas dans, dans l'esprit de cette rigueur insupportable, mais dans un esprit d'ouverture, de respect de, de l'autre, des valeurs d'égalité, des valeurs euh, universelles. Et ça, moi, c'est l'islam que j'ai appris de... de je ne dis pas de mon père, mais de mes grands-pères, de mes grands -pères qui portaient l'habit traditionnel. Hein. C Alors une intervention ici, madame J'ai déjà répondu parce qu'en fait, j'avais relevé à l'origine, c'est la tradition orthodoxe sunnite qui paralyse la réflexion. C'est très clair, la tradition orthodoxe sunnite, c'est pas et la, la tradition orthodoxe sunnite s'est imposée petit à petit. Hein. La fermeture a commencé vers le 11e, 12e siècle. Et les mortazilites, justement, j'ai parlé du courant euh, rationaliste. Les mortazilites, ben, les mortazilites étaient pour pour le rôle de la raison et pour la réflexion. Bon, il y a un grand débat, mais je pense que c'est un peu, c'est trop aller trop loin dans, dans la discussion. Qu'est-ce qui distinguait les mortazilites des, des autres Mais voyez, le fait de dire j'accepte l'interprétation. C'est ça qui est fondamental. Or, les Wahhabis les n'acceptent pas, quand on dit l'orthodoxie sunnite, n'acceptent pas que l'on discute. Ils n'acceptent pas qu'on puisse discuter les fondements du droit musulman. Or, aujourd'hui, nous avons eu en Tunisie un grand débat à propos de la Constitution et nous avons tenu bon et nous avons réussi à faire en sorte que la Constitution tunisienne n'a pas comme source euh, de droit. La charia, la, la constitution tunisienne ne s'appuie pas sur la charia et elle reconnaît la liberté de conscience, qui est loin d'être connue par la charia. Aucun pays arabe n'a dans sa constitution reconnu la liberté de conscience. Et ça, c'est le poids de l'orthodoxie, euh, enfin je parle du monde sunnite, de l'orthodoxie sunnite. Alors s'il n'y a plus de questions dans la salle, moi je voudrais vous en poser une dernière avant oui. qu'on se retrouve peut-être là-haut devant, devant vos livres. Est -ce que, comment est-ce que vous voyez la, la suite des événements dans votre pays Est-ce que vous êtes optimiste Est-ce que vous voyez des gens qui, qui se battent et qui peuvent euh, gagner contre une montée de l'islamisme Moi, je suis, je suis toujours... Ce n'est pas que je suis optimiste, je suis toujours dans l'action. Et je crois que, vous voyez, on n'efface pas l'histoire d'un pays comme ça. La Tunisie, je parlais de l'esclavage, l'abolition de l'esclavage, déjà il y a 1846. Alors, euh, ce n'est pas maintenant qu'on va céder et qu'on va accepter des, un droit rétrograde, etc. Alors, mon espoir, c'est la jeunesse tunisienne qui est extraordinaire. Qui est, il y a un film là qui, qui sort, je ne vais pas faire de, de la publicité. Si, si, les yeux. À peine. J'ouvre les yeux, yeux, il est magnifique. Ah, magnifique. Je suis allée le voir, il est magnifique. Et Vous voyez la modernité de ce film. Oui. C'est ça la Tunisie. C'est celle-là que je défends. Voilà. <laughs> Voilà, merci à toute notre équipe, euh, à l'équipe Régie des, des Champs Libres, euh, Ophélie euh, et Jérôme, et puis euh, à l'équipe vidéo. Donc, cette conférence a été enregistrée. Vous pourrez la revoir à partir de demain, euh, je pense, sur euh, le site de l'Espace des Sciences et euh, sur YouTube. Merci à vous d'être venus ce soir. Ça a été un grand bonheur de vous recevoir et merci à vous tous de votre attention. J'espère à la semaine prochaine. Bonsoir.